Bonjour à toutes et tous. Ça me fait plaisir ce matin d'accueillir un trio de présentateurs. Donc, je vais vous décrire un petit peu leur parcours dans un instant. Donc, aujourd'hui, on va parler de diplomatie. Donc, le titre de la conférence est Penser la diplomatie au-delà des États souverains, l'état des lieux de la paradiplomatie arctique. Dans notre ordre de présentation, on va commencer avec Stéphane Roussel, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal en 1999. Il est maintenant professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique, ou l'ENAP. Avant ça, de 2002 à 2012, il a été professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en politiques étrangères et de défense canadienne. Il a aussi été président de la section Canada de l'International Studies Association. Il travaille avec les forces canadiennes aussi, notamment avec le Collège des forces à Toronto, la 2e division du Canada et le Régiment de Maisonneuve. Ses travaux portent principalement sur la politique de sécurité canadienne, notamment en ce qui a trait à l'Arctique, ainsi qu'aux relations avec les États-Unis et les États européens. Il a publié évidemment beaucoup de choses et son plus récent ouvrage s'intitule The Politics of Canadian Foreign Policy. Il mène en ce moment deux programmes de recherche. Le premier porte sur la culture stratégique de la société québécoise et le second sur l'émergence des nouvelles problématiques de sécurité internationale dans l'Arctique. Sera suivi par Jean-François Payette, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques de l'Université de Lyon. Il enseigne la gestion internationale à l'UQAM, et est aussi directeur scientifique de l'Observatoire sur la politique et la sécurité dans l'Arctique, chercheur associé au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Québec et du Canada, et chercheur associé au Laboratoire Francophonie, mondialisation et relations internationales. Il a publié 14 livres et a reçu pour ses nombreux travaux plusieurs prix et distinctions au Québec, au Canada et en France. Ensuite, on entendra Mathieu Landrieux, qui a obtenu un doctorat de l'Université d'Ottawa en 2013. Il est présentement chargé de cours à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa ainsi qu'à l'École d'études de conflit de l'Université Saint-Paul. Il est aussi le directeur de l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique, chercheur associé au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, et chercheur avec le Réseau sur la défense et la sécurité nord-américaine et arctique. Ses intérêts de recherche portent sur l'analyse des médias et de l'opinion publique au Canada, surtout dans un contexte de sécurité arctique et de politique étrangère canadienne. Donc, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Stéphane Roussel. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. C'est très, très apprécié de nous recevoir ce matin d'abord parce que c'est extrêmement, c'est un honneur d'être à l'INQ. L'INQ est très dynamique, très active, puis c'est bien de pouvoir participer, d'embarquer dans vos activités. Donc, on était très, très heureux de recevoir l'invitation. La deuxième raison, c'est que pour nous aussi, on disons en termes de timing, de synchronicité, si vous voulez, le moment tombait très bien pour nous parce que Mathieu, Jean-François et moi-même menons un programme de recherche donc sur les États non souverains qu'on va vous présenter très brièvement ce matin, mais pour nous, donc, c'est vraiment l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Si vous me permettez, je vais partager mon écran avec vous et vous aurez aussi comme le PowerPoint qui inévitablement accompagne ce genre d'intervention. Vous n'hésitez pas à me le dire s'il y a un problème avec la présentation. Donc, allons-y. Merci à toutes et à tous de participer à cette présentation ce matin. Donc, ce que nous vous proposons, c'est un retour, en fait, quelques éléments d'un programme de recherche qui, pour l'instant, donne lieu à un premier ouvrage. C'est un ouvrage collectif qui va être publié dans les mois à venir chez Routledge. Je vous donne quelques éléments ici dans la colonne de droite des thèmes qui sont abordés dans ce sujet-là. Malheureusement, ce matin, c'est certain qu'on passera à travers tout ça. Il y a plusieurs auteurs donc qui ont contribué à ce livre-là, où on aborde différents États non souverains ou groupes autochtones ou des associations autochtones qui participent
à la vie politique et à la gouvernance de l'Arctique. Ce matin, si vous me permettez, on va se concentrer sur les cas que nous, on a traités dans le cadre de cet ouvrage-là. Donc, Jean-François Payette va vous parler du cas du Québec et Mathieu va vous parler du cas de l'Amérique du Nord, mais les États non souverains en Amérique du Nord, il y a plusieurs dimensions. Donc, on va vous faire ça dans la demi-heure qui vient. On va traiter quatre point. D'abord, je vais ouvrir sur la problématique. Qu'est-ce qui motive la recherche? Quelles sont les questions? C'est quoi les mystères qui planent sur la participation des États non souverains à la gouvernance de l'Arctique? Je passerai la parole à Jean-François, donc, qui va traiter du cas particulier du Québec, donc la plupart d'entre vous sont susceptibles de connaître, pour essayer de le formaliser un peu. Comme je le disais aussi, Mathieu va traiter donc la paradiplomatie des États américains, des États non souverains en Amérique du Nord. Et on va terminer, Mathieu va terminer sur quelques conclusions, quelques éléments de réflexion auxquels donne lieu ce programme de recherche. Donc, la problématique, de quoi on parle exactement? Pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là? Ceux qui s'intéressent à la gouvernance de l'Arctique constatent très rapidement que c'est un domaine qui est généralement réservé aux États souverains, que ce soit les 5 États riverains de l'océan Arctique, que ce soit les 8 États arctiques, si on ajoute quelques pays scandinaves qui n'ont pas donc accès direct à l'océan Arctique, que ce soit aussi les États observateurs au Conseil de l'Arctique ou tous ces États qui, sans avoir un pied directement dans l'Arctique, s'intéressent aux questions dans cette région-là. Et là, on a un grand nombre d'États qui sont. On a aussi, et le Conseil de l'Arctique, si vous voulez, a fait preuve d'ouverture et d'avant-gardisme en permettant à des participants, donc des groupes qui ne sont pas des États, notamment les représentants des communautés autochtones, de participer aux travaux du Conseil de l'Arctique. Mais il y a aussi toute une autre catégorie d'États, les États non souverains, les États souvent qui sont membres d'une fédération, comme par exemple le Québec à l'intérieur du Canada, comme l'Alaska à l'intérieur de la Fédération américaine. Ces États-là ont aussi un rôle à jouer. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter ce matin. C'est un sujet qui est tellement exploré en relations internationales, même si depuis une cinquantaine d'années, il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont été faits. Du point de vue de la recherche en relations internationales, ce n'est pas quelque chose qui est creusé de manière systématique. Il faut dire aussi que la diversité des États non souverains limite un peu le potentiel de comparaison, parce que ça dépend largement, par exemple, des compétences qui sont octroyées par l'État central à chacun de ces États non souverains. Le Québec n'a pas les mêmes pouvoirs, par exemple, que l'Alaska, qui n'a pas les mêmes pouvoirs que le Groenland, et ainsi de suite. Il faut voir aussi comment les organisations transnationales, et je pense ici surtout aux organisations autochtones, et notamment le Conseil Inuit Circumpolaire, comment eux aussi participent à la gouvernance de l'Arctique. Parce que, au premier chef, ce sont eux qui sont concernés. Et question qui surgit, c'est de voir comment ces différents États non souverains peuvent établir ou ne pas établir entre eux des relations. Qu'est-ce qui les motive et quels sont les facteurs qui favorisent la coopération entre eux? Donc, si on s'intéresse aux motivations, pourquoi des États non souverains comme le Québec, comme l'Alaska, comme le Groenland s'intéressent aux relations internationales et en particulier aux relations circumpolaires? D'abord, il y a des raisons économiques évidentes. Une question pour la plupart d'entre eux, c'est une question de développement économique. Aller chercher le capital, aller chercher le savoir-faire pour mettre en valeur les ressources qui sont sur leur territoire. Et naturellement, une question commerciale aussi, ce qui a augmenté les échanges entre eux. Mais plus intriguant peut-être est aussi la question de l'identité. C'est-à-dire, est-ce que ces États-là qui ont un caractère arctique bien marqué se servent, ou si vous voulez, font la promotion de cette identité arctique? Et est-ce que le fait qu'un État, ou un État non souverain, dans le cas qui nous intéresse ici, adopte une identité arctique, lui donne à sa politique étrangère ou sa politique internationale une saveur particulière. Et on notera que dans certains cas, pour certains États souverains, c'est grâce au fait qu'il y a une partie de leur territoire, un des États non souverains ou un des membres de la fédération qui a un pied dans l'Arctique,
que ces États peuvent revendiquer d'être des États arctiques. Par exemple, les États-Unis ne pourraient pas se présenter comme un État circumpolaire ou un État arctique si ce n'était de l'Alaska. Le Danemark ne pourrait pas se présenter comme un État arctique si ce n'était du Groenland et éventuellement des îles Féroé. Donc, il y a un jeu qui s'établit entre, si vous voulez, l'identité des États non souverains arctiques par rapport à l'État central. Naturellement, il y a des enjeux locaux, des enjeux sociétaux qui se passent aussi souvent, qui sont de la responsabilité de l'État non souverain. Par exemple, au Québec, toutes les questions d'éducation, toutes les questions de logement, toutes les questions de santé relèvent des provinces. Or, pour une province comme le Québec, qui a une partie de son territoire qui peut être considérée comme arctique, ça signifie des défis particuliers. Et voir donc comment chacun de ces États non souverains répond aux défis dans ces domaines de compétences. Et finalement, naturellement, il y a toute la question de l'environnement dans lequel les États non souverains ont un rôle extrêmement important à jouer. Donc, ce sont toutes des motivations, mais en même temps, des pistes de recherche pour voir, pour comparer comment ces États répondent à ces défis ou ces motivations, si vous voulez. Ça nous amène aussi à une question de recherche sur le fédéralisme comparé, c'est-à-dire voir comment le partage des compétences et le degré de centralisation des différents États ou des différentes fédérations arctiques déterminent la capacité des États non souverains à agir. Certaines fédérations sont très décentralisées, comme celle au Canada. Certains États non souverains ont de grands pouvoirs, comme le Groenland, qui en a de plus en plus, alors que d'autres, comme les républiques russes, en ont beaucoup moins. Donc, on peut comparer sur cette base-là. Il y a aussi la nature des relations avec l'État central. Comment l'État non souverain mène ou travaille avec l'État central. Par exemple, comment Québec travaille avec Ottawa sur les questions arctiques? Est-ce qu'on parle de coopération? Est-ce qu'on parle d'autonomie, de diplomatie ou de paradiplomatie parallèle? Ou on parle carrément de conflit ou de rivalité avec l'État central? Donc, les expériences des différents États non-arctiques peuvent varier de l'un à l'autre. Il y a la question aussi de la représentation dans les institutions internationales. La plupart, les États non souverains ne sont pas représentés au Conseil de l'Arctique, par exemple. Et ils vont avoir tendance à vouloir aller dans d'autres institutions internationales, moins formelles peut-être, mais qui les représentent un peu mieux. Et finalement, on peut comparer aussi toutes ces expériences d'États non souverains sur la base des ressources qu'ils consacrent à la diplomatie arctique. Certains ont plus de ressources. Le Québec a plus de ressources que les républiques russes, par exemple, pour investir là-dedans. Ce qui autorise une forme de comparaison entre ces différentes expériences nationales. Donc, pour appliquer un peu ce que je viens de dire ou certains éléments de ce que je viens de dire, je vais passer la parole à Jean-François Payette, donc, qui a surtout travaillé sur la politique internationale du Québec et qui l'applique à l'Arctique. Jean-François? Merci Stéphane pour cette introduction et la présentation donc, que Stéphane vient de faire. On va voir qu'elle transparaît dans le cas québécois lorsqu'on analyse donc la question arctique d'un point de vue du Québec, comment ça s'inscrit donc dans cette réalité. Tout d'abord, il faut prendre en considération que le Québec ne fait pas partie, si on veut, du cercle polaire ou de l'Arctique en tant que tel. L'Arctique, normalement, dans les définitions, commence essentiellement au 66e parallèle. Or, le Québec se retrouve à peu près au 62e parallèle. Son territoire, donc, s'étend jusqu'au 62e parallèle. Et donc, il n'est pas directement un acteur arctique au sens classique du terme lorsque l'on le regarde. Il n'y a pas d'accès directement donc à l'océan arctique, donc qui s'est créé au nord. Mais toutefois, il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui lui permettent de se rattacher à l'Arctique. Tout d'abord, c'est la seule province, donc une portion substantielle de son territoire, donc qui a un écosystème, je pourrais dire, qui est arctique, comme celui de la ligne des Arbres, par exemple, ou encore le fait que la moyenne soit de 10 degrés ou moins en juillet. Ce sont des indicateurs, normalement, que l'on rattache à une réalité d'un écosystème, donc arctique. Il y a une population inuite et crie, qui est significative sur le territoire québécois au nord et qui revendiquent leur enracinement identitaire à l'Arctique.
Donc, ces populations se considèrent d'un point de vue identitaire, comme le mentionnait un peu Stéphane, se considèrent comme des populations donc arctiques. On voit ici une répartition, si on veut, de différentes populations autochtones, si on veut, dans la région arctique. Et il y a une portion nécessairement qui se trouve au Québec, entre autres, là, si on regarde là, ce qui est notamment là, en bleu. Si tu peux passer à la... Oui, merci. Donc, c'est ça. Alors, cette réalité, si on veut, qu'elle soit géographique, et plutôt de son écosystème et d'une identité, lui permet, si on veut, un certain rattachement, une certaine revendication à l'Arctique que l'on va voir. Tout d'abord, d'un point de vue de l'identité en tant que telle, ce n'est pas quelque chose de nouveau sur lequel on travaille avec la question de la nordicité québécoise et de l'arcticité, je pourrais dire, donc de la société québécoise. Il y a un certain nombre de travaux depuis les années 50, entre autres, qui ont été menés par Hamelin, qui travaillait sur la question de la nordicité et de l'arcticité. Toutefois, d'un point de vue des relations internationales à proprement parler, la question va interpeller davantage le Québec à partir donc des années 70. Le premier gouvernement de René Lévesque donc, va commencer à s'intéresser d'un point de vue international à la question arctique. Donc, ce n'est pas simplement une question de la réalité, si on veut, géographique ou environnementale, mais donc, un intérêt en politique étrangère, on pourrait dire, pour cette question-là. Tout d'abord, on a pensé au ministère des Affaires intergouvernementales dans les années 70, 76, 77 particulièrement, donc à une souveraineté association dans le cadre du Conseil nordique. Un conseil qui a été créé dans les années 50, qui regroupait essentiellement les pays scandinaves, et dans lequel, donc, au lieu que ça soit une souveraineté association simplement avec le Canada, une fois que le Québec aurait réalisé l'indépendance, l'essentiel de sa politique étrangère et de sa politique économique aurait été donc axé sur une souveraineté association avec les autres pays nordiques et l'essentiel donc de la politique étrangère du Québec aurait été orienté non plus simplement vers le Canada seulement, mais pour l'ensemble donc des pays scandinaves et des pays nordiques, pardon. Notamment parce qu'il y a une réalité environnementale et des défis qui sont similaires. Et on va voir un peu plus tard comment que ça va interpeller encore aujourd'hui la réalité internationale du Québec. Deuxièmement, on a pensé à cette question parce qu'on se disait que la transition vers l'indépendance et la reconnaissance d'un Québec indépendant serait plus facile puisque les pays scandinaves ont traversé à travers plusieurs d'entre eux, donc l'indépendance avec pacifisme. Et on se disait, bien, ça va nous permettre de faire cette transition plus facilement. Il va y avoir quelque chose de moins suspect que simplement la France dans les années 70-80 qui aurait reconnu au départ un Québec indépendant. Mais on se disait, avec d'autres pays comme les pays scandinaves, s'il y avait une reconnaissance donc de cette indépendance d'un Québec souverain, ça ferait une transition peut-être plus facile et reconnue un peu plus mondialement. Après le référendum, c'est une question qui va avoir été toutefois abandonnée. Elle va être investiguée par le gouvernement du Québec, mais ce qu'on va retenir véritablement, tout le monde l'a vu en 1980, c'est véritablement la souveraineté association avec le Canada. Bien qu'il y avait des points qui pouvaient être intéressants, donc comme on vient de le mentionner. Après le référendum de 1980, c'est quelque chose qui va avoir été pratiquement évacué, si on veut, de la scène politique. Donc, la question des activités internationales du Québec dans le cadre de la nordicité. On va retrouver dans les programmes du Parti québécois quelques indicateurs, mais c'est davantage pour se positionner d'un point de vue géopolitique et juridique, donc dans la région. Là où il va y avoir une nouvelle ampleur, si on veut, ou quelque chose de plus important qui va s'établir, c'est au tournant des années 2000. Tout d'abord, le Canada, au tournant des années 2000, donc, va commencer à affirmer davantage son identité arctique, va commencer donc à être davantage présent pour des questions de nation building et de souveraineté, entre autres. Alors, il va y avoir un certain nombre d'exercices militaires qui vont commencer à être exercés en Arctique. On a vu avec le gouvernement Harper comment ça a pris
c'est devenu quelque chose de significatif, on pourrait dire, donc, sous sa gouverne. Il va y avoir aussi un certain nombre de publications qui vont être réalisées par des universitaires, mais aussi par le gouvernement canadien. Entre autres, on pense en 2000 au document, le volet nordique de la politique étrangère canadienne qui va être publié notamment. Donc, il y a un intérêt qui va être grandissant pour le Canada au tournant des années 2000. Et c'est dans cet intérêt canadien que le Québec va commencer à se positionner davantage. Donc, il va essayer de se positionner sous deux axes qui rejoignent un peu ce que Stéphane a mentionné donc en introduction, c'est-à-dire l'axe international et à l'intérieur même de la Fédération canadienne. Donc, de se faire reconnaître comme un acteur arctique d'une part à l'international, mais montrer aussi l'influence qu'il peut avoir à différents égards, au niveau donc même de la politique intérieure. Déjà, au tournant des années 86, on a passé du Nouveau-Québec au Nunavik, donc un nouveau territoire, si on veut, d'une certaine façon, qu'on renomme un territoire donc québécois. Il y a le plan Nord du gouvernement libéral aussi qui va être mis de l'avant en 2011 et dans lequel on va essayer de positionner le Québec à la fois à l'international, mais aussi à l'intérieur même de la société québécoise. Oui, tu peux passer. Merci. Et là, il y a un certain nombre donc de pistes, d'indications qu'on peut regarder dans nos activités internationales arctiques pour ce qui est de la question québécoise. Tout d'abord, une relation qui est diplomatique avec l'Islande. Depuis les années 2010 particulièrement, donc 2014, 2015, 2016, il va y avoir des échanges de premiers ministres, donc entre le gouvernement du Québec et l'Islande. Et il va y avoir donc dans ces échanges de diplomatique, une reconnaissance de la part de l'Islande comme quoi que le Québec fait partie des acteurs arctiques et comme quoi qu'il doit être pris dans la réalité arctique de façon générale, globale, parce qu'il a une réalité en tant que telle, que ce soit identitaire, que ce soit environnementale, donc qui lui permet de revendiquer, si on veut, cette identité arctique-là. Dans les relations commerciales qu'a souligné Stéphane plus tôt, on a, par exemple, une relation commerciale qui a été quand même à un certain moment assez dynamique avec la Russie. Donc, au tournant des années 2010, on va avoir une progression de nos échanges avec la Russie. Le Québec va même devenir, va être le principal partenaire de la Fédération canadienne d'un point de vue économique avec la Russie. Au tournant des années 2013-2014, près de 40% de l'ensemble des échanges commerciaux avec la Russie entre le Canada et la Russie vont être réalisés par le Québec. Il va y avoir une dégression, donc une perte de vitesse suite au conflit là, avec la Crimée et la Russie, donc, et les sanctions que le Canada va avoir et les contre-sanctions qu'il va y avoir donc, de la Russie, donc un ralentissement, si on veut, de ces relations commerciales. Mais tout de même, il y a quelque chose ici qui est intéressant. D'un point de vue des institutions, donc, il y a le Conseil arctique et l'Arctic Circle, dont, qu'on a mentionné en introduction, où le modèle québécois, entre autres, de développement durable, entre autres, et d'exploitation des ressources et de responsabilité sociale et environnementale avec les populations locales, notamment, va être étudié. Donc, au Conseil de l'Arctique, ce n'est pas le Québec directement qui va se représenter lui-même, mais c'est dans le cadre, justement, d'une représentation d'une délégation canadienne, donc le Québec à l'intérieur du Canada, dans lequel on va présenter et étudier le modèle québécois. Dans le cas de l'Arctic Circle, le Québec est présent c'est même lui qui va organiser en 2016 donc le forum de l'Arctic Circle, dans lequel on va étudier toute la problématique, entre autres, du développement durable, dans lequel on tente de faire, donc, de rattacher, si on veut, la question arctique, les activités internationales du Québec et donc, c'est ça, ces enjeux environnementaux. Alors, on va voir que c'est présent et le modèle québécois dans ces deux institutions vont être étudiés. Donc, on va étudier le modèle québécois d'une part pour les relations avec les populations locales, d'autre part pour les enjeux donc, de développement durable et de développement durable. Quelle influence donc et quelle représentation? Bien, évidemment, le Québec, dans le cas du Conseil de l'Arctique, n'est pas présent en tant que tel. C'est au sein de la délégation canadienne qui est capable de donner donc une certaine influence et le Canada va récupérer certaines initiatives québécoises dans sa politique d'affirmation en Arctique, entre autres le plan Nord,
qui va faire partie des quatre grandes clés de son affirmation donc, en Arctique. Et d'un point de vue de l'influence, bien, c'est une influence qui est parfois qui est au sein même de la délégation canadienne, parfois qui est plus paradiplomatique, mais avec une affirmation, donc qui avec des initiatives qui lui sont propres comme dans l'Arctic Circle. Dans le cas du MRIF, donc le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, et les plans stratégiques qui vont être présentés depuis un certain nombre d'années, on va voir qu'il y a une volonté de se rapprocher d'un certain nombre d'acteurs nordiques, donc à la fois les pays nordiques, mais aussi les institutions, les universités, les chercheurs qui travaillent sur les différents défis que présente cette région, parce que justement, il y a une réalité qui interpelle le Québec et certains défis qui parfois sont communs et certains besoins qui sont communs avec d'autres acteurs donc dans la région. Si on passe à la diapo suivante, exactement, on voit par exemple, d'un point de vue des investissements directs étrangers dans le Nord, bon, c'est particulièrement l'industrie minière, l'exploitation, donc, entre autres, du pétrole, du gaz. On peut voir qu'il y a tout de même des investissements directs étrangers qui sont intéressants, donc qui aident au développement du Nord. Et on sait que ça crée justement toute une industrie alentour, donc, parce qu'une fois qu'on a des investissements comme ceux-là, pour être capable d'exploiter, ça nous prend différents commerces, ça nous prend donc tout un ensemble d'autres acteurs dans cette industrie, et ça crée justement une espèce de développement économique qui peut être intéressant. Alors, on a, même si ce n'est pas tous directement là, vraiment dans le nord complètement du Québec, c'est tout de même plus au nord, et on voit donc les retombées que ça peut créer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le Québec s'inspire, donc dans ses industries minières, entre autres, s'inspire du modèle scandinave, entre autres pour le développement durable, la recherche et le développement, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Certaines études très récentes ont été réalisées qui montraient comment que ces industries minières regardent les modèles scandinaves et voient comment qu'on peut les importer, les appliquer à différentes réalités québécoises et d'essayer de tirer profit justement de leur expertise. Donc, c'est un jeu de deux côtés. À la fois, le Québec, donc, influence, si on veut, dans ces différents modèles, comme avec le plan Nord, donc, influence certains pays ou certaines industries, mais en même temps, donc, il aussi s'inspire, donc, de ce qui est réalisé dans d'autres régions, dans d'autres pays, donc, de la nordicité et de l'arcticité. Je laisse la parole maintenant à mon collègue Mathieu. Oui, et bon, pour le cas du Québec, hein, qui est un cas d'espèce particulier, dans le livre, ce que j'ai essayé d'étudier avec Magali Bouliermé, entre autres, c'était de regarder l'Arctique nord-américain, donc le reste de l'Arctique nord-américain. Si on retourne à la carte juste auparavant, donc le Groenland, d'une part, et l'Alaska, mais aussi les trois territoires nordiques canadiens, donc le Yukon, qui est frontalier avec l'Alaska, territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. L'objectif dans tout ça, c'était de comprendre comment la paradiplomatie se déroule, comment elle s'articule dans l'Arctique nord-américain au sein de ces cinq juridictions-là. Et ce qu'on aperçoit rapidement, si on peut aller à la diapositive suivante, c'est que les échanges commerciaux, disons le dynamisme économique, est très manifeste entre certaines juridictions et pas du tout entre d'autres. Si on prend l'exemple de l'Alaska, par exemple, ici, j'aurais simplement pu mettre les chiffres entre l'Alaska et le Yukon, mais j'ai mis les autres pour vous montrer la différence entre, et c'est en millions de dollars en échanges commerciaux. La relation Alaska-Yukon est extrêmement dynamique et extrêmement importante. On voit les chiffres, les substantiels. Quand on regarde, par exemple, le volume d'échanges que l'Alaska fait avec les autres territoires dans cet espace, on s'aperçoit que c'est excessivement marginal. On vend des 0,00 pour millions, c'est quelques dizaines de milliers de dollars, c'est rien. Hein? C'est des miettes pour un État comme l'Alaska. Donc, si on peut aller à la diapositive précédente, la grande question était de savoir comment s'articule cette paradiplomatie, ces échanges diplomatiques entre ces cinq juridictions. Ce qu'on s'aperçoit rapidement, si on va au deuxième point, c'est que la dimension multilatérale est très peu développée. Certains collègues
je pense à John Higginbottom et Jennifer Spence, entre autres, ont essayé de faire rencontrer ces cinq des dirigeants de ces cinq juridictions, mais bien souvent, ça donnait des conférences qui arrivaient une fois et il n'y avait pas d'échange subséquent. L'aspect multilatéral est plus ou moins présent, ce qui nous dit que cet espace ne sent pas un espace unifié en termes de paradiplomatie. C'est un espace où il va y avoir des échanges diplomatiques, des relations diplomatiques entre les cinq, mais ce sont bien souvent des rencontres un peu molles où on parle, on produit des communiqués, mais ce ne sont pas des relations qui se traduisent dans l'action, qui se traduisent dans des mesures, dans du concret. Ce qu'on s'aperçoit très rapidement, et c'est un peu notre principal argument, c'est que la paradiplomatie dans l'Arctique nord-américain est surtout sur une base bilatérale. Elle est amenée par deux locomotives de relations bilatérales, donc la relation bilatérale Alaska-Yukon et la relation bilatérale Nunavut-Groenland. Pourquoi? Ben, ces deux relations bilatérales ont en commun qu'elles partagent une frontière commune. L'Alaska et le Yukon, il y a énormément de mémorandums, de documents entre ces deux juridictions, un volume aussi commercial important, parce qu'ils gèrent une frontière commune. Donc, les intérêts sont convergents de par une situation géographique partagée. Même chose dans une moindre mesure pour le Groenland et le Nunavut. Comment ça se transforme dans le multilatéral? Bien, ça se transforme dans le fait que ces relations bilatérales privilégiées vont amener parfois des initiatives multilatérales. On pense au Pacific Northwest Economic Region qui met en cause l'Alaska, le Yukon et le territoire du Nord-Ouest. Bien, c'est un forum multilatéral, mais il est surtout amené par la relation très dynamique entre l'Alaska et le Yukon. Est très près. Et sur une base anecdotique, certains collègues qui parfois essaient de les réunir, ben le Yukon va toujours dire « Est-ce que l'Alaska va être là? » Si l'Alaska est là, ben on embarque. On va y aller. Sinon, ben on va voir. Puis il y a plus d'hésitation. Ce qui nous amène en fait à dire que, bien souvent dans la paradiplomatie, surtout dans l'Amérique du Nord, dans l'Arctique nord-américain, la convergence des intérêts se fait sur le fait de partager un environnement. Et bien souvent, lorsqu'il n'y a pas de partage d'environnement, ben les relations sont diplomatiques et commerciales sont très faibles. Pensez par exemple aux relations entre le Yukon et le Groenland, ils sont presque inexistants. Pourquoi? Ben, ils ne partagent pas le même environnement. Une autre variable qui est intéressante, c'est de voir quel effet peut avoir, on va rester sur cette diapositive-là, quel effet peut avoir l'action d'un gouvernement central, d'un gouvernement fédéral. Je pense au partenariat sur la mer de Beaufort qui réunit seulement des acteurs canadiens, gouvernement du Yukon, territoire du Nord-Ouest et des gouvernements, des administrations autochtones et d'autres. Ben, le gouvernement fédéral canadien a tiré cette initiative, a vraiment été un peu la locomotive qui a amené tous les partenaires à se rencontrer autour pour gérer la mer de Beaufort. Donc, un gouvernement fédéral peut être une force positive à la coopération. D'autre part, la mer de Beaufort aussi inclut l'Alaska. Un gouvernement fédéral peut aussi être un frein à la coopération. Le différent frontalier sur la délimitation entre l'Alaska et le Yukon en est un bon exemple. Ou dans l'appartenance de la mer de Beaufort, l'Alaska et les États-Unis n'ont pas été inclus. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une dispute frontalière sur la délimitation entre l'Alaska et le Yukon, puis on ne voulait pas froisser, on ne voulait pas ouvrir un conflit dans la relation canado-américaine. Donc, on a simplement gardé ça pour des acteurs canadiens. Passons à la diapositive précédente et après, sur les quelques réflexions. Évidemment, bon, dans notre ouvrage, on va un peu plus en détail, il y a beaucoup plus de cas, comme Stéphane le présentait, l'Écosse, les républiques russes, etc. Quelques réflexions qui nous sont venues en tête, et je soulevais tellement ces réflexions, s'il y a des jeunes chercheuses, chercheurs sur ces questions-là qui sont dans l'audience, vos questions sont les bienvenues, et c'est un programme de recherche en mouvement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi. Un premier point, c'est de te demander sur les juridictions. Quelle est l'étendue des juridictions de chaque État? L'Alaska et le Groenland ont des juridictions beaucoup plus grandes que les territoires canadiens, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être toujours actifs. Dans certains cas, c'est un problème de ressources.
ou c'est un problème politique, on pense à l'Alaska, où d'un gouverneur à l'autre, la nécessité de s'impliquer dans la région arctique va varier. Parfois très, très actif. Parfois un certain gouverneur arrive en Alaska, ben, on coupe tout et on se désengage de ce champ que l'on juge un peu périphérique, hein, qui est la gouvernance arctique. Donc, les ressources, ils sont pour beaucoup. C'est-à-dire, quel est le niveau de ressources qu'un État possède? Tous ces États, bien souvent, ont une dépendance face aux centres de décision qui sont basés au sud, les territoires canadiens face à Ottawa, le Groenland face à Copenhague, l'Alaska face à Washington. Hein? Donc, il y a toujours une relation de dépendance qui est présente dans ces juridictions. On pourrait dire la même chose pour les Yakoutsk là, en Russie, l'Écosse dans une moindre mesure. Des motivations variées aussi. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre les motivations. Quand Jean-François a parlé des motivations du Québec, par exemple, d'Antitario, motivation d'un gouvernement comme celui du Groenland, où on peut parler peut-être plus de proto-diplomatie, d'un État qui veut se diriger vers l'indépendance, à petits pas, très pragmatique, très lent. D'autres comme l'Écosse qui veut s'ouvrir un autre champ diplomatique pour diversifier son activité internationale. Hein, s'ouvrir vers des États qui pourraient être des alliés, la Norvège, la Suède, hein, les États scandinaves. Comme Stéphane l'a souligné, les institutions multilatérales, arctiques aussi, permettent l'intégration de ces gouvernements non souverains, mais en même temps limitent. Le Conseil de l'Arctique n'a pas, jusqu'à ce jour, amené de solutions très innovantes pour intégrer de manière plus significative les États non souverains. Les tonneaux souverains se rabattent sur l'Arctic Circle Assembly, sur l'Arctic Frontier, ce qu'on peut appeler des chapiteaux élargis. Pour ces conférences-là, c'est très bien, ils veulent des participants. C'est de là qu'ils tirent leur légitimité. D'un autre côté, par contre, ce n'est pas le Conseil de l'Arctique. Hein. Il y a un certain aspect formel ou légitimité qui manque à participer dans ces organisations. Donc, très intéressant aussi de voir le jeu de comment les États non souverains se positionnent, dans quel forum et pourquoi, et comment pourraient-ils avoir accès à d'autres forums qui, jusqu'à maintenant, ils sont barrés ou ils n'ont pas accès. Quelques pistes. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Ce sont tous des réflexions très, très ouvertes sur chacune de ces pistes de réflexion. Merci, messieurs. Donc, je vais redonner la parole à Jean-Éric. Bonjour. Bien, merci pour ces trois présentations très intéressantes. Là, on va prendre des questions si vous en avez. Pour l'instant, j'ai pas d'intervention dans le Q&A. Donc là, je vous invite, si vous voulez, à soit lever votre main virtuelle ou à nous écrire dans le chat ou le Q&A. Moi, je peux peut-être commencer avec une première question. Vous l'avez un petit peu abordé, Mathieu, dans votre partie. On a souvent vu, surtout, je dirais, sous l'ère Harper, que les gouvernements souverains ont souvent des postures qu'elles maintiennent. Parfois, c'est juste une question de posture. Parfois, c'est peut-être un peu plus sérieux. Donc, évidemment, c'est un peu contraignant. Puis souvent, comme vous l'avez dit, ça peut avoir tendance à freiner la collaboration entre les États. Avez-vous l'impression que, justement, un État comme entre les pays, je veux dire souverain, qu'un État comme le Québec est un peu un électron libre là-dedans, d'une certaine manière, ça peut nous ouvrir des portes ou être un véhicule de collaboration, puis je vous posais une question tout à l'heure sur la science en particulier, privilégié dans le fond, puis que les États sont au courant de ça, puis que ça fait, les pays souverains sont au courant de ça et que ça fait bien leur affaire d'une certaine manière. Oui, puis peut-être après je vais passer la parole à Jean-François pour parler du Québec. Ma perspective, ce que je vois dans les dernières années, sous le gouvernement Harper, il y avait une fermeture à intégrer les États non souverains. Une fermeture qui n'était pas juste pour les États non souverains. Hein. On voulait aussi limiter les États non arctiques à participer comme observateurs au Conseil de l'Arctique. On ne voulait pas que l'OTAN s'implique. Donc, ce n'était pas juste une fermeture aux États non souverains. Mais il y avait cette volonté de ne pas laisser une trop grande place aux États non souverains. Ce que je vois dans la dernière énoncé de politique là, sur le gouvernement Trudeau est une posture complètement autre.
C'est-à-dire que maintenant, on veut donner des ressources aux États non souverains. Et les États non souverains sont invités à participer aux travaux, à faire partie de la délégation canadienne au Conseil de l'Arctique. Donc, et on a même étendu ça à des juridictions qui ne sont pas directement arctiques. On pense au Manitoba, oui, avec le port de Churchill, mais pas directement arctique. Je pense que Nunavut aurait des revendications un peu plus grandes à se dire arctique que le Manitoba ou l'Ontario, par exemple. Donc, je pense qu'il y a un fédéralisme d'ouverture. Et c'est là aussi dans les études de fédéralisme comparé. Je pense que c'est intéressant de voir que la posture du gouvernement fédéral peut permettre comme elle peut limiter. On semble dans une période où elle permet. Reste à voir si le gouvernement change, si on retomberait dans les réflexes harpériens de limiter et de Canada par d'une seule voix et c'est tout. Ça pourrait. Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux compléter sur le Québec. Mais en fait, tout à fait, mais tu l'as bien mentionné, Mathieu, lorsqu'il y avait donc à l'ère Harper, il refusait même à l'intérieur de la délégation canadienne, donc toute présence, si on veut, des provinces véritablement. Et c'est sous le gouvernement Trudeau en 2015 que l'on a commencé à intégrer donc les provinces dans la délégation canadienne au Conseil de l'Arctique. Mais je rappellerai toutefois qu'il y a eu une instrumentalisation du gouvernement Harper des populations autochtones. Donc, les Premières Nations étaient intégrées dans les délégations canadiennes pour donner plus d'affirmation, si on veut, dans certains événements. Ou, entre autres, en 2009, lorsqu'il y a eu, lorsque le Canada donc était au Conseil de l'Arctique et dans différents forums, le gouvernement Harper, en 2009, donc entre autres à Tromsø, avait intégré des représentants de chacun des territoires canadiens, donc où il y a de fortes populations, de fortes populations donc des Premières Nations, des représentants, que ce soit la vice-première ministre ou et d'autres, là, qui étaient présents dans la délégation canadienne pour donner plus de légitimité, si on veut, aux revendications de nation building que faisait le Canada. Alors, tout de même, à ce niveau-là, c'était déjà présent. Et là, on pourrait parler pour rebondir sur ce que Mathieu a dit, parfois une espèce de diplomatie à paliers multiples. Lorsque le Canada n'est pas capable seul d'intervenir pour revendiquer ou affirmer donc certaines positions, il va intégrer ces entités subétatiques, que ce soit au niveau identitaire, que ce soit au niveau donc des provinces, pour donner plus de légitimité, de force, si on veut, à ces affirmations en politique étrangère, notamment dans la région. Et ça, on le voit bien, avec la question justement des Premières Nations ou encore avec la question du gouvernement Trudeau qui va intégrer dans les quatre grandes clés d'affirmation de sa politique étrangère dans le Nord, notamment donc le plan Nord du Québec où, dans le cas du gouvernement Harper, on intègre les Premières Nations à l'intérieur même donc de la délégation canadienne pour affirmer justement nos différentes revendications de souveraineté dans la région. Merci. On participe à l'INQ, évidemment, beaucoup au Forum Arctic Circle, où on va en fait avec la délégation québécoise qui, au début de la semaine, se joint toujours à un petit événement avec la délégation canadienne. Et après, c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que la délégation québécoise est très cohérente à l'intérieur d'Arctic Circle, puis que en fait, il y a beaucoup de tractations qui se font, qu'on constate aussi que le Québec est vu à l'international comme étant une véritable entité arctique, qu'il y a beaucoup qu'il y a un modèle, vous l'avez mentionné, à communiquer ou en tout cas à partager. Puis je dirais que la première fois que j'ai constaté ça, ça m'a un peu surpris, positivement, là, de voir le regard positif qui est porté sur le Québec. Et ça nous permet, en fait, d'envisager toutes sortes de collaborations. Et on voit que la science, en particulier la recherche scientifique, est probablement un bon outil de paradiplomatie. Je ne sais pas si vous pourriez commenter là-dessus par rapport à d'autres, peut-être, véhicules ou... Stéphane, qui commençait? Non, je vais vous laisser aller parce que ça touche vraiment ce que vous faites, puis je suis curieux là-dessus aussi, moi. Oui, puis sur ce point-là, je pense qu'on pourrait rebondir aussi sur un des chapitres dans le livre qui portait sur l'Écosse. Je pense que l'Écosse s'est très bien positionnée dans la région arctique quand c'était assez difficile. Le Québec peut faire peut-être certains arguments, comme on l'a vu, pour faire partie de la région arctique. L'Écosse, pas vraiment. Presque arctique, peut-être, mais bon, c'est une étiquette qui n'a pas bonne presse.
Mais les coachs jouent un peu ce même rôle. Les compétences dans la science, la protection environnementale, les changements climatiques, l'éducation, les choses comme ça, ça relève davantage de ce qu'on peut appeler peut-être du soft power, des enjeux de low politics. Hein. Donc, et ça, je pense que les États non souverains ont quand même un avantage là-dedans. C'est dans leur sort de compétences, de un. Ils ont de l'expertise. L'Écosse, comme le Québec, par exemple, ont une expertise sur ces enjeux-là. Ils peuvent justement bon, présenter leur modèle, présenter des leçons apprises, etc. Je pense que l'Écosse joue à peu près un peu ce même rôle, une coopération très pragmatique sur des enjeux techniques, parfois scientifiques, qui ne vont pas froisser, qui ne sont pas controversés. En même temps, on ne se met pas à dos la délégation de l'État central, comme vous l'avez dit, avec le Canada pour le Québec, l'Écosse pour la Grande-Bretagne. Et on amène quand même une plus-value, on amène quand même une certaine contribution. Je pense à l'Écosse, par exemple, qui participe dans beaucoup d'organisations sur la gestion des pêches, sur la protection des forêts, sur la protection des langues, bon, la télécommunication, etc. Ce sont tous des domaines très pragmatiques où il peut y avoir de la coopération fonctionnelle, hein, où on n'est pas dans la grande diplomatie, on n'est pas dans les échanges militaires. Souvent, ces États non souverains vont bien aimer, à mon avis, qu'il n'y ait pas que les récits sur la compétition entre grandes puissances ou la montée de la confrontation en Arctique soient gardés au minimum. Parce que plus ça monte, moins on a de place pour faire montre de cette diplomatie scientifique basée sur l'éducation, etc. Tout à fait. Je pense que c'est un vecteur qui va exactement dans les cordes d'États non souverains. J'ai peut-être de pays dans des juridictions quand même très avancées, Québec, l'Écosse, qui viennent en tête. Jean-François, si tu voulais rajouter quelque chose. Bien, en fait, tu le mentionnes bien, Mathieu, ça interpelle ce que l'on appelle d'une certaine façon, là au Québec, la doctrine Gérin-Lajoie, qui est le prolongement externe des champs de compétences internes. Et dans ces domaines-là, donc le domaine universitaire, académique, environnemental et tout, ça touche à des compétences, donc ici, dans la Fédération canadienne, qui sont provinciales, donc d'une part. Et d'autre part, pour rebondir sur ce que vous posez comme question, M. Tremblay, en 2017, donc, le MRIF donc, publiait son PIC, là, sa politique internationale, et il y avait tout un volet qui s'appelait « Affaires nordiques et arctiques », dans lequel on suggère notamment un rapprochement scientifique, un rapprochement avec les universités de d'autres régions, justement, arctiques. Alors, on rentre directement, d'une part, dans les champs de compétences des provinces, et d'autre part, sur ces différents enjeux qui sont du domaine de la recherche, du domaine universitaire, du domaine de la science. Et à travers ça, donc, on se retrouve à être capable de se positionner d'une certaine façon d'un point de vue diplomatique dans la région à travers justement ces institutions. Je pense à travers l'Assemblée Arctic Circle, c'est un bon exemple, hein, où, comme vous l'avez dit, la délégation du Québec est très bien accueillie à l'Arctic Circle. La délégation écossaise aussi, hein, la délégation de l'Alaska aussi. Je pense que Mme Murkowski est toujours une régulière des sessions plénières, hein, à l'Assemblée. Mais je dirais qu'il faut que ça soit vu des deux côtés. Si on se remet en 2013, l'initiative de l'ex-président Grimson, de l'Islande, de partir l'Arctic Circle Assembly était quand même vu comme une initiative controversée. Certains États arctiques disaient, ben, vous essayez de partir un nouveau forum, vous essayez de mettre un compétiteur au Conseil de l'Arctique en place, vous essayez de mettre la bisbille. Et pour M. Grimson, en partant ce forum-là, il fallait qu'il y ait une participation forte, hein? Il fallait quand même qu'il y ait des gens qui y soient puis qui amènent de la crédibilité à tout ça. Donc, je pense qu'il faut aussi le voir une relation donnant-donnant. Hein? L'Arctic Circle avait besoin de participants et je pense que l'Arctic Circle est très bien structuré dans le sens où il récompense beaucoup aussi ceux qui sont là depuis le début. Et Québec a été là depuis le début, l'Écosse s'est joint très rapidement aussi. Évidemment, l'Écosse et le Québec voulaient aussi de la reconnaissance. Donc, c'est une route qui c'est une route à deux directions. Là. Je pense que c'est une solution gagnant-gagnant dans les deux cas qui a fait l'affaire de tout le monde. Ouais.
Mais je ferais peut-être juste un commentaire parce que vous avez beaucoup mentionné l'Écosse, puis c'est drôle parce qu'on ne considère pas nécessairement l'Écosse comme un pays arctique, mais en discutant avec eux justement lors de réunions, on s'est aperçu que nous, tous les enjeux qu'on a avec le transport, l'énergie dans le Nord, ils ont les mêmes parce qu'ils ont à peu près 900 îles autour de l'Écosse qui sont considérées pour eux comme des territoires éloignés où ils ont ces enjeux d'énergie, de transport, etc. Et ça a été en fait l'occasion d'une discussion croisée très intéressante. Mais en tout cas, c'est le genre de forum qui est vraiment très, très utile pour développer ce genre de lien-là. Oui, puis je pourrais ajouter, en parlant des représentants du gouvernement écossais, il y avait aussi une volonté de ne pas trop s'imposer parce qu'on n'est pas une juridiction arctique. Donc, on ne veut pas trop s'imposer, mais on est juste là pour aider. On est juste là pour partager. J'ai senti ça tout le long en parlant avec eux, de dire on ne veut pas trop s'imposer. On ne veut pas être taxé de s'immiscer à des places qu'on n'est pas censé. Et on utilise la science et ces domaines-là pour justement pas sembler trop abrasif ou trop, ouais. Trop vouloir s'imposer. Ouais. Tout à fait. Bon, je vois. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des petites questions? J'en vois pas vraiment d'autres, mais en fait, peut-être pour élargir un peu, est-ce que vous participez vous-même à Arctic Circle ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez bien? Ou, Moi, je suis allé, je pense. Personnellement, je participe pas. OK. C'est pas. Je suis allé deux fois, je pense, justement à l'instigation du gouvernement du Québec ou en relation avec le ministère des Relations internationales, précisément pour parler des questions de gouvernance et de liens entre les États arctiques. Parce que le président Grimson, le président islandais, donc, était de passage à Montréal. Il était venu à l'École nationale d'administration publique où je suis et une partie des discussions avait commencé dans une salle de classe de l'ENAP. Et c'est pour ça qu'on avait poursuivi ça. À l'Arctic Circle. Mais ça me manque. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir y assister de nouveau. Là. C'est vrai que c'est vraiment très bigarré, c'est vraiment très stimulant comme endroit. Plein de délégations inattendues ou de gens inattendus avec qui on peut avoir d'excellentes discussions. Donc, lorsqu'on a l'occasion de pouvoir être dans un endroit comme ça, ça vaut vraiment la peine. Parfait. Ben, oui. Peut-être une petite note, si les chercheurs s'intéressent, la présidence russe du Conseil de l'Arctique qui s'en vient dans deux semaines veut mettre beaucoup l'accent sur impliquer les gouvernements régionaux. On ne sait pas si c'est la forme que ça va prendre. C'est un bon exemple où un gouvernement central essaie d'utiliser ces gouvernements subétatiques, subnationaux, ces États non souverains pour pousser un peu ses intérêts, pour pousser certains objectifs. Je dirais si ça intéresse certains ou certaines, gardez ça sur votre radar parce que c'est probablement ce qui va se décider dans les prochaines semaines, prochains mois, où on va entendre la Russie essayer de pousser un mécanisme d'initiative pour qu'il moussie la coopération entre les États non souverains. Et probablement que certains États non souverains au Canada vont être intéressés par ce type de mécanisme, étant une fédération assez décentralisée. Ça va être intéressant de voir le potentiel que ça peut avoir, ce type de mécanisme, s'il y a de l'argent d'inclus, bon. Ouais. S'il y a même un potentiel de coopération. Ouais. C'est une question. Bon, on sera sûrement intéressé à échanger avec vous, en tout cas au niveau de la direction de l'INQ, c'est très certain, parce que ben, justement, souvent, quand on va dans ces forums-là et on veut développer des liens, parfois on marche aussi un petit peu sur des œufs, puis on se demande un peu aussi quelle est notre marge de manœuvre par rapport à ces initiatives-là. Puis je voulais vous partager aussi que, ben, vous le savez sans doute, mais le Canada devrait normalement... héberger le secrétariat du Conseil de l'Arctique pour le développement le groupe de travail sur le développement durable. Et il y a eu un appel de fait à l'automne et en fait au début de l'hiver pour ça. Et on ne sait pas où ça sera au Canada, mais en tout cas, l'INQ a essayé de se positionner, disons, pour accueillir cette structure-là à l'Université Laval. Évidemment, la décision de ça va être extrêmement politique, là. Mais donc, je vous dis ça parce qu'on a hâte de voir un peu comment ça va tourner. Mais effectivement, là, dans un contexte de paradiplomatie, ça pourrait devenir quelque chose de très, très utile si jamais on avait ça au Québec. Tout à fait.
Ben, l'heure tourne tranquillement. Il y avait peut-être une petite question dans le chat que peut-être tout le monde n'a pas vu par rapport au fameux ouvrage là, qui a été discuté tout à l'heure. Donc, Jean-François annonçait que l'ouvrage sera disponible en juillet cet été. Et jusqu'à date, on n'a aucun retard sur le calendrier, ce qui est extrêmement rare. C'est pour ça que je me permets de le souligner. tout est dans les mains de l'éditeur. Les épreuves sont prêtes. Donc, à moins d'une catastrophe majeure, le calendrier devrait être respecté. Ben parfait, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Là, je vois vraiment des choses très intéressantes là, pour le futur. En tout cas, on va rester en lien avec vous, c'est certain. Mais merci énormément de l'invitation. Là. C'est très, très apprécié. Puis on va répondre présent. Je parle à mon nom et celui de mes collègues, on va répondre présent si vous avez encore d'autres opportunités comme celle-là. Parfait. Ben, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.